Olopacha l'Empereur, meilleur ami de feu DJ Arafat, au cours d'une interview accordée à Vibe Radio, a fait des confidences sur les débuts du Yoruba dans le milieu musical. Et tout n'a pas été rose pour celui qui deviendra plus tard le roi du coupé de Cali. Comme Arafat était connu comme disque jockey à la rue Princesse, c'est là-bas que nous avons accès à la promo de l'album Goudron Noir. Pendant le temps de la promotion, Arafat prestait cadeau, c'est dans le travaillement qu'on gagnait un peu et on rentrait avec, se souvient Olopacha. Celui qui s'est reconverti dans la vente de poissons a révélé par la même occasion le premier cachet du Daichi à l'époque. On a trop joué pour les gens cadeaux. Par moments, on ne payait que le transport. Arafat a reçu son premier cachet officiel dans un bar à Cocody de Plateau. C'était le Bentley's qui était tenu par un vieux père de Didier. Le cachet que Yoro a reçu ce jour-là, c'était 50 000 francs CFA, a déclaré Olopacha.